Salut, Tui. Salut, ça va? Très bien, et toi? Super. Entre. Je te présente mon père. Papa, je te présente Tui, une copine d'école. Enchantée. Vous allez bien? Oui, merci. Bien, à tout à l'heure, papa. Vous sortez? Non, on va dans ma chambre. D'accord. Bon après-midi. À plus tard, monsieur. Salut. C'est mon frère Alexandre qui joue du saxophone. C'est pas mal. Il adore jouer, mais moi, je n'aime pas tellement. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît, Isabelle? Merci. Et voilà ma chambre. Eh, hey, c'est super chez toi. Tu aimes? Oui. Tiens, j'adore regarder les photos. Je peux les voir? Bien sûr. Qui est-ce? Là, ce sont mes grands-parents. Ils ont l'air sympas? Oui. Ils sont heureux sur cette photo. Ils fêtent leur 40e anniversaire de mariage. Et là, ce sont tes parents? Oui. C'est une photo de papa et maman. Là, c'est mon oncle et ma tante, le frère de ma mère et sa femme. Et au milieu, ce sont leurs enfants. Mes cousins. Ils sont gentils? Oui, très sympas. Ils habitent tous en Bretagne. Ça, c'est Loïc. Il est mignon. Il a quel âge? Il a 18 ans. Et elle, c'est ma cousine, Patricia. Elle est très intelligente. En maths, elle a toujours 18 sur 20. Comment s'appelle-t-elle, la petite fille aux longs cheveux bruns? C'est Julie. Elle a 8 ans. Elle est adorable. Tiens, là, c'est moi. Quel amour de bébé, n'est-ce pas? C'est toi? Tu es super mignonne. Tu as quel âge sur cette photo? Oh, je suis toute petite. Peut-être un an et demi. C'est amusant. Tu es blonde, là. Mais tu es brune, maintenant. Châtain, plutôt. Et là, qui est cette femme? C'est ma tante, du côté de mon père. Elle s'appelle Véronique. Ça, c'est son chat, Musica. Elle adore les animaux. Elle a aussi deux chiens. Et là, c'est qui ce garçon? C'est Alexandre? Oui, c'est mon frère, Alexandre. Il a quel âge? Il a 11 ans. Il a l'air sympa. Oh, je ne sais pas. Comment? Tu ne trouves pas? Si, mais il est parfois pénible. Et toi, tu n'as pas de frère ou de sœur? Non, je suis fille unique. Tu as de la chance. Pourquoi? Oh, tu sais, entre frères et sœurs, quelquefois, il y a des problèmes.